À la découverte de la cristallerie royale de champagne de Bayel, 13 heures partons à Bayel, dans l'Aube, pour découvrir l'histoire de son industrie de cristal. Fermée en 2016, la cristallerie royale de champagne de Bayel est l'une des plus importantes manufactures françaises de cristal soufflé à la bouche. La fierté du village pendant plus de trois siècles. Autorisée par Louis XIV, l'usine a été créée en 1666. Elle faisait vivre plus de 600 ouvriers. Pour rendre hommage au savoir-faire de ces derniers, Bayel a construit son musée du cristal dans lequel sont rassemblées toutes les plus belles œuvres des maîtres verriers. Le dernier d'entre eux, Manolo Rodriguez, a monté son propre atelier pour assurer la relève. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 2 mai 2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 mai 2018 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en région, ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français. Mise à jour, créer, tout savoir sur le 13h.